Eh bien, je suis Geneviève, j'ai 47 ans et je danse depuis 4 ans. J'ai l'habitude de dire que je danse depuis plus parce que je triche un peu. Est-ce que ça a changé dans ma vie? Ça m'a vraiment... permis de voir comment je me comporte dans un groupe. Ça, pour moi, le contact d'impro m'a donné un miroir de ma façon de relationner, que ce soit dans un groupe ou dans un couple, dans un duo. Ça m'a montré beaucoup de facettes de moi-même. Ça m'a montré mon exigence, ça m'a montré peut-être les schémas, mes propres schémas. Ça m'a donné, du coup, ça m'a aussi donné les outils, ça m'a permis de changer mes façons de me comporter. Pas changer complètement, mais de pouvoir observer en tout cas ces choses qui mettaient des barrières dans ma vie par rapport au groupe et de peut-être me positionner différemment ou agir différemment pour que ce soit plus agréable pour moi. Ça m'a donné beaucoup de confiance. J'ai vraiment... un des aspects du contact impro qui m'a fascinée, c'est le cadre qui est donné et en particulier les temps de partage quand ils sont très clairs, c'est-à-dire des temps de parole très clairs et une façon de s'exprimer au jeu. Et ça m'a aussi appris à parfois à entendre les feedbacks et à respirer simplement. Ça marche pas encore toujours. Oui, en tout cas, je dirais que la chose vraiment le cadeau, c'est que ça m'a donné une vision de moi qui a plus, avec plus de valeur et plus de beauté à moi-même que je n'en percevais avant. De voir que j'ai ma place dans un groupe et que ma présence dans le groupe va modifier le groupe, mais va le rendre plus parfait. Bon, ça m'a donné beaucoup de confiance parce que je me suis aussi mis à enseigner le contact impro assez vite. J'ai pu participer à des rencontres de profs. Ah, c'est un peu compliqué là. Ouais. Ça fait rien, je continue. Et j'ai pu mettre en place des cours qui me permettent de transmettre la beauté de ce que j'apprends, de ce que j'ai appris dans ce cadre, et d'essayer de la propager, de propager ça. Et ben là aussi, j'en retire beaucoup de bonheur de voir les personnes aussi heureuses de découvrir ça. Donc voilà, ça m'amène, c'est ça que ça a changé dans ma vie. Peut-être encore autre chose. Je pense que ça aussi... ça m'a donné aussi, tiens, une confiance dans mon toucher, une confiance dans ma capacité à sentir,
à sentir des choses invisibles dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense, ça a affiné ma perception et ça a éveillé en moi une possibilité de ressentir les choses chez les autres. Je n'irai pas jusqu'à guérir, mais en tout cas à ressentir très facilement au niveau du toucher. Et ça m'a changé autre chose encore, c'est très important. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de passer des week-ends en bonne compagnie, de rencontrer plein de gens extraordinaires, extraordinairement attentifs, à l'écoute. Ça m'a appris à aller plus loin dans la connaissance de quelqu'un, c'est-à-dire de aussi casser mes appréhensions envers certaines personnes. Le fait de rencontrer, ça permet de... ça ouvre tout, quoi. C'est casser l'appréhension de l'inconnu. Donc voilà, ça m'a offert tout un soutien, un cocon très agréable. Qui n'est pas là tout le temps, mais que je peux aller y trouver de temps en temps.